c'est du faux morse en fait. Là. C'est... c'est du morse assisté. Ah d'accord, ok. C'est du morse assisté. Non, 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 mais il n'y a pas de souci. Moi, je m'attendais à avoir le petit bouton, moi. Ah bah oui, bah, le bouton, il est là. Mais le gars qui était censé venir faire le petit bouton, il n'est pas là. D'accord. Le bouton, il est là parce que normalement, donc, normalement tu passes par la carte son, que là, je passe directement par la clé. Je suis raccordé sur la clé, de la pioche. D'accord. Tu veux que je mets Non, non, mais je m'attendais à avoir le petit bouton. Bah, disons ce qu'on appelle les macros, parce qu'ils font même avec la pioche, les pioches. Oui. Les pioches, maintenant, ou même les postes. Hein. Moi avec l'ICOM 7003, j'ai pas besoin de la pioche. Oui. J'appuie sur le bouton du poste, ça le fait tout seul. Oui, il faudrait que j'apprenne moi à faire ça. Non, bah c'est une macro. Je sais que le 991, tu peux aussi enregistrer des trucs. Enfin, je l'ai pas fait. Tu fais. Tu vas dans menu. Non, tu sélectionnes C double. Oui. C double, menu, clé. Oui. Une fois que tu es sur clé, tu vas avoir des macros qui vont apparaître. Oui. Tu vas sur édition. Et puis là, dans édition, tu fais éditer. Tu édites ta macro, donc tu mets ton.